Bon, bonjour à tous, juste une petite vidéo assez rapide pour enlever et remettre un FAP de 3008. 3008 qui serait bon rhizocolmatage au colmatage et on connaît la musique. Donc c'est relativement simple, vous avez une coque ici, un enjoliveur de ce type qui convient d'enlever. Qui est là, il y a trois vis à dégager, elles sont accessibles par ici et par le devant. Pas besoin d'enlever le radiateur pour cela. Ensuite, vous avez les connectiques à défaire. Vous avez une connectique qui est ici, qu'il faut défaire, de façon à pouvoir rendre le pot fat libre. Les connectiques sont ici à présent. À la base, c'est comme ceci. Et ici, donc, vient en cette position. Donc on enlève de façon à pouvoir enlever ceci en même temps. Il y a de plus une petite sonde qu'il faut enlever de sur le FAP de façon à ce qu'elle ne nous embête pas. Elle est en bas, là, on l'enlève directement. De sur le FAP, on a évidemment en tout début d'opération ceci à enlever, qui est sur le dessus. Le collier ici, le collier en bas, bah son jumeau qui se trouve en position basse, et ensuite on a deux fixations à défaire qui se trouvent ici et là. Bon, évidemment, lorsque le FAP est en position, il est maintenu par deux vis de fixation uniquement, hein. Donc deux vis de fixation maintenues par le haut ici, maintenues par le bas de la même façon, et ensuite c'est tout ce qui est connecté au FAP qu'il faut enlever. Il y a des tutos qui disent qu'il faut enlever le radiateur, enfin, il faut démonter toute la voiture pour enlever. Là, c'est une opération qui dure à peu près 16-20 minutes. Il faut après trouver juste la bonne orientation pour faire tourner le FAP pour pouvoir le descendre vers le bas. J'ai un petit peu de mal à ce niveau-là tout à l'heure. Attention à ne pas casser la sonde, évidemment, hein, qu'on enlève, qui est là. Bon, ensuite, une fois qu'on a ça en main, bah, on enlève la connectique. Et c'est tout, hein. Il n'y a rien de plus à faire pour enlever un FAP. Alors après, ce qui peut être intéressant à faire, c'est comment ça s'appelle, nettoyer le FAP, parce que c'est un peu le but de l'opération. Un FAP, ça vaut 500 balles, dit-on. Donc, bah, une fois qu'il est défait, bah, on le met au sol. Et on lui donne un coup de karcher, tout simplement. Un coup de karcher pas trop près pour ne pas casser les éléments céramiques qui sont à l'intérieur. Pouvez faire ça avec un robinet haute pression. Voilà. Et on va tout nettoyer, on va tout remonter. Opération dans le sens inverse. Donc je pense que c'est une opération qui tient pour 1 heure de travail, pas plus. Voilà un tuto qui dure à peu près 3 minutes et qui est largement suffisant par rapport à tous les tutos qu'on voit sur le net qui durent une demi-heure. Il y a de la musique et tout. Là, on va à l'essentiel. Allez, Kenavo.